Mais vous êtes complètement fou! Vous êtes un grand malade mental! Et c'est normal si la musique s'est coupée, parce que flemme. Et bonjour tout le monde, salut Tira, salut T-Barb, salut Lev, merci pour le réabonnement, évidemment. Tu passes en... Y a pas de souci, T-Barb, merci d'être passé, merci pour le leurre, ça fait plaisir. Comment est-ce que vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui... Salut Hopi! Salut... Putain, mais vous êtes nombreux, sa mère. Je m'y attendais pas. J'avoue que moi j'étais en mode ouais, je vais faire mon truc chill dans mon coin, tranquille, y aura personne comme d'hab. Enfin, comme d'hab.
train de parler, évidemment, mais... Non, j'arrive, il y a une avalanche. Oh, 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 vous allez vous le calmer, hein. Merde, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, on se retrouve pour le... sixième épisode. Je l'ai noté il y a pas 10 minutes, évidemment, parce que sinon, c'est pas marrant. Pour le sixième épisode. Bah, si tu veux, on se casse, hein. Non, reste, évidemment. Maintenant que t'es là. Maintenant que t'es là, profite-en, reste, pose-toi. On est bien. Et on s'était arrêté après avoir rencontré une tête. Et avoir fait en sorte qu'elle reprenne vie. Non, tu peux rester aussi, t'inquiète. Et ouais, je me suis dit, nique sa mère, je passe directement sur le jeu. Parce que après tout, pourquoi est-ce que on a besoin que je parle réellement en grande caméra alors qu'on peut voir ma mini-gueule comme ça, c'est très bien aussi. Tu as un public de vieux qui préfère que tu streames en après-midi apparemment. Ouais, bah c'est ce que je suis en train de me dire, oui. Pourquoi t'as fait ça? On ne peut pas lui faire confiance. Parce que c'est une déesse? Aurais-tu oublié tout ce que je t'ai appris? Mais elle nous a beaucoup aidés. Elle a menti. Certaines personnes tiennent à leur intimité. Ne les juge pas trop vite, frère. Quand j'aurai besoin de ton avis, tête, je te le demanderai. Comme tu voudras. Emmène-moi au temple de Tyr dans le lac des Neufs et je vous guiderai vers Jotunheim comme promis. On connaît ce temple. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pas bien. Rien moins que le dernier géant vivant de Midgard. Qui mieux que lui pourrait nous indiquer la route? Le serpent monde? Attends, tu sais comment lui parler? Mais oui. Il mais parle une langue oui. obscure, encore plus vieille que ces montagnes. Plus personne ne la connaît à Midgard. À part moi, bien sûr. C'est vrai? Oui. Ça ne se voit pas au premier abord, mais Jormungand recultive l'art de la conversation. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Avoir un bruit de fond, c'est bien. Je suis d'accord, mais après, tu peux avoir un bon bruit de fond, tu vois. Pas aller sur un stream d'un type qui stream une fois tous les 46 du mois. Enfin, bref. Tout ça pour dire que je sais plus où on s'était réellement arrêté. Putain. Alors, c'est là où que je vois que vraiment, je me souviens plus des touches, quoi. Par ici, ça me paraît être pas mal. Et puis après, je sais pas du tout. Ah putain, il y a un beau coffre là-bas. Comment on fait pour y aller? Ce serait pas mal qu'on le prenne. Ce serait pas mal. Sauf que j'ai aucune idée de... Sinon, passant par là-bas peut-être. En train de... Bah non, parce que là, on retourne vers... Ah, attendez. Est-ce que en passant Atreus, ici, suis-moi. J'arrive tout de suite. Ah, c'est intéressant ça. Ah là, tout simple. Merde. Il y a un coffre ici, j'ai un des trucs, mais je les ai pas tous visiblement. Qu'est-ce que c'est ça? Que ça marche? Merde. Ah, comment on fait pour changer de flèche? Je me souviens plus. Ah, la connerie. Non, pas comme ça. C'est pas comme ça. Comme ça. Tu t'étais arrêté après avoir insulté une déesse sans la taper, ni se la taper. Et c'est vrai. Comme quoi, il fait des efforts. Non, mais c'est parce qu'il y avait son fils. Sinon j'arrive plus à parler. Il se la serait tapé avant de la buter. Atreus, par ici. Compliqué. Compliqué d'être moi à bord pour. On va pas se mentir. Mais oui. Si tu le dis. Mini-moi. On ouvre ça. Et je t'avais pas vu, bonjour, enchanté, moi c'est Kratos. Colonnasse. Aïe. 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 T'as fait mal. Ah la pute. Crève. Dents. Tes dents. Sale pute. Hop là, esquive. C'est bon, c'est comme ça qu'on esquive, je savais plus.
Mais qu'est-ce qu'elles sont chiantes à faire ça tout le temps. Ah si, s'il y a bien des ennemis que j'aime pas, c'est bien elle. Hein. On va y arriver. Voilà, une en moins. Connasse. Elle est passée où la pute. Elle est où. Elle est où. Connasse, j'ai dit. Saloperie de connasse de pute. Regarde, alors. On dirait qu'il y a une autre vasque de sable là-haut. Comme celle où j'ai dessiné les runes, tu sais. Mais j'ignore comment l'atteindre. Eh ben, tu l'atteins pas et tu fermes ta gueule. Du coup, qu'est-ce que tu racontes vu comme il traite le gosse, qu'il soit là voilà. Ou pas, il aurait réagi pareil. À la limite, à la fin, il aurait dit, tu vois, c'est comme ça qu'on honore une déesse. Mon dieu. C'est dégueulasse. Et en même temps... est-ce que Kratos ne serait pas de ce jeu... Enfin, n'en serait pas capable. On peut se questionner. Ouais, mais je vois pas pourquoi j'ai fait ça, en fait. Je vois pas l'intérêt... Bah non. Bah ouais, mais non, mais... C'est bien. C'est bien. C'est bien de bouger des trucs. Comment est-ce que je peux te monter... Comment je peux te monter là-haut. Oui, bien sûr. Mais si, je suis sûr que c'est possible. Avec la carte Kiwi. Bon, tant pis. Ça pour plus tard. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Je ne peux pas descendre. Est-ce que je peux descendre là? Je ne peux pas descendre. Est-ce que je peux descendre là? Je ne peux pas descendre. Tel Rico Chico, il respectait les femmes énormément. C'est ça. Il les respecte à sa façon. C'est un respect de dieu de la guerre, j'imagine. Et bah c'est bien, s'il y a quelque chose là-haut. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute, connard? Pas bien que j'arrive pas à avancer. Putain. Donc le pire, c'est qu'il pourrait juste te dire, attends, je te chope, je te balance là-haut, et après je bouge le truc. Mais non, Je comprends, il faut qu'il ait un minimum de respect. Ah, ça m'écorche la gueule hein, quand je dis ça. Hein. Bon, c'est pas tout ça, mais... Mais tu veux que... Ah, bah ouais, mais non. Ah, putain, ah, je suis aveugle. Hein. Putain, encore que j'ai un fils qui l'est pas, parce que... Voilà. Il est content, le petit Atreus. Voilà, il est content. Allez. Je suis un homme normal pour mon fils alors que je soulève des tonnes. Avec ses planches en bois. T'as un arc, non. Serre-toi-en. Petit con. Un petit con quand il s'y met. C'est une autre vasque de sable. On n'avait pas remarqué. Les runes inscrites sur le côté sont différentes. Qu'est-ce que ça dit? Encore une énigme. Oublie de me nourrir et nous sommes condamnés. Nourris-moi trop et je nous consumerai. La réponse doit être quelque part ici, comme avant. Et pourquoi pas là-haut? Et hop là! Et hop là! C'est bon, je les vois. Ça dit feu. Bien sûr. Balle. Bon, qu'est-ce que ça va nous faire apparaître? Bah rien, c'est juste descendre ça. Ce qui nous permettra d'aller récupérer le coffre. Mais c'est que c'est magnifique tout ça. Et voilà. Non, on va pouvoir continuer l'histoire. Invocation runique. Invoque une volée de corbeaux qui assaillent l'ennemi. On va afficher, voyons voir. À quoi ça ressemble? Je refuse. Je refuse. Mais c'est qu'il a un bon saut quand même, ce petit con. Allez, on repart en canoë.
Là, techniquement, je crois que je peux pas l'ouvrir. Ah, quoique. Est-ce que je peux l'ouvrir ? Il va nous falloir quelque chose pour rentrer. Non. Je ne peux poing. Salut, Ambi ! Comment vas-tu ? En cette belle journée. Ah, un autre chemin. Ah mais oui, c'est pour prendre le truc pour... C'était pour prendre le truc pour péter le truc. Oui, bah oui. Oh, ça c'est bien, ça par contre. Et de deux. Il m'en manque un par contre, ça me fait chier. Ça me brise les couilles. Les couilles sont brisées. Je répète, les couilles sont brisées. Il est où ce dernier connard ? Très très... Oh, ça par contre c'est bien. Voilà, ça c'est fait. Maintenant... Ça dégage. J'aime bien casser des trucs. Quand je peux pas... Pardon. Quand je peux pas casser des bouches, je casse des tonneaux. Le craquement me rappelle le craquement des os de mes ennemis. Toujours très joyeux. Toujours pas visible. Toujours pas visible. Ah, c'est chiant ça. Et merde. Alors. Non, saute, merci. Est-ce que... Non, ça c'est pour remonter à la surface. Est-ce que... Je suppose que... Pas est-ce que... Ah non. Ça me fait chier, j'ai déjà abandonné l'idée d'avoir un coffre, pas un deuxième, quoi. Ça me casserait bien les couilles. Oh. Mais... Que vois-je? Qu'entends-je? Bah, tombe. Ah non, il veut pas. D'accord. Super. Pas grave. On va faire comme tout le monde. Non, c'est pas par là. C'était pas par là. C'était pas par là non plus, évidemment. Parce que sinon, c'est pas marrant. Ah bah non, mais c'était le truc qui est là, en fait. Ça, c'est pour pouvoir grimper. Donc on s'en branle, globalement. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Sinon, mine de rien, je vous ai pas demandé. Oh, il est là! Voilà! Maintenant on peut récupérer le coffre. Wally Walou! Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on gagne? Ah! 3 sur 3 en plus, si ça c'est pas magnifique! Notre rage augmente. Autant que ma... pardon. C'est pas de son âge, je ne peux pas en parler. Par contre, où est-ce qu'il est le bateau? C'est bien beau tout ça, mais... Oui, c'est bien. Ah, 39 mètres. Bah en fait, peut-être que si je suivais l'objectif de quête, au lieu d'être une petite merde... Je dis ça comme ça, hein. Ça peut être une idée, quoi. Bah écoute, ça va. Ça va. C'est par ici. Non, c'est par là-bas. Je voudrais savoir par où je vais aller. De l'eau. En vrai, Flemme. Oh mais non, mais dis pas ça, voyons. C'est pas vrai, n'est-ce pas. Confirmé. Si tu suivis l'objectif de quête, tu serais juste une moins petite merde. Oui, c'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi est-ce que Freya t'a craché au visage ? Non. Parle-nous de Baldur. Il prétend que rien ne peut le blesser. Oui, Baldur est invulnérable à toutes les menaces, qu'elles soient physiques ou magiques. Les fanfaronnades d'un dieu, tout le monde a un point faible. Sauf lui, j'en ai peur. Baldur est invulnérable à toutes les menaces, qu'elles soient physiques ou magiques. Ah oui. Quelle est la source de son pouvoir ? Eh bien, j'ai l'impression de tourner en rond. Ça impliquait un sortilège. Mon cerveau n'est pas encore tout à fait revenu à la vie. Laissez-lui un petit moment pour finir de se réveiller. Ah, ça y est, j'arrête de tourner en rond, il est détend. Non, on recommence pas. Non. Comment parle-t-on au serpent ? Il y a une corne sur la plateforme, au milieu du pont. Emmène-moi là-bas. Enfin ! Oui, elle peut me cracher dessus et elle adore ça. Enfin, nous allons pouvoir parler à la corne. Utiliser la corne. Oh, puis merde, on m'avait compris. Hop là. Bien, et maintenant approche ma bouche de la corne. Alors, dans le doute. Construire cette statue en l'honneur de Thor, sachant à quel point le serpent monde tient ce gros abruti en horreur, il devait en avoir marre de le contempler. Mais c'est pas douloureux ? Thor et le serpent monde ont un passif un peu mouvementé. Enfin, un avenir peut-être. Il faut croire que le voir à chaque fois qu'il se levait était encore plus pénible que l'idée d'avaler une statue de pierre. Tu veux que je lui demande ? Non. Tout ce qui nous intéresse, c'est Jotunheim. Souhaitez-moi bonne chance. J'ai pas perdu la main, il se souvient de moi. La oh non, c'est pas ça. Makuna untunko. Comprends ta douleur. Il va t'aider. Étrange. Qu'y a-t-il ? Rien de bien inquiétant. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'assure qu'on prend la bonne direction. Écoutez-moi bien. Il faut deux choses pour pénétrer sur la Terre des Géants. D'abord, nous devons apprendre la rune qui ouvre le passage vers Jotunheim. Ensuite, nous devons graver cette rune dans la porte spéciale. Celle sur le pic où on t'a rencontré ? Exactement. Sauf que les Géants, dans leur grande sagesse, ont fait en sorte qu'il faille un outil spécial. Seule la pointe d'un burin magique peut ouvrir la porte. Par chance, je sais où il se trouve et ce n'est pas loin. Il a eu l'air furieux pendant un instant. Ah ça ! Il a cru que j'avais dit que vous étiez ami avec Odin. Pardonnez-moi, c'est la première fois que je parle de la langue ancestrale, sobre. Hé, regardez ! Le niveau de l'eau a encore baissé. On distingue mieux les tours des royaumes et les statues. Je vois même de nouveaux endroits à explorer sur le rivage. Où se trouve le burin ? Trouvez-moi un bateau et je vous y emmènerai.
Eh ben il a une sale gueule. Est-ce que maintenant on peut l'attaquer? Moi je veux. Où je trouve? Il est où? Viens te battre, enculé! Baston! Toujours pas? Mais non, mais. Ah! Chier, Nick! J'ai dit! Viens te battre! Alors, si je me foire. Viens te battre! On va trouver un moyen. Bah, les couilles. C'est ma Kate. Alors, il y a des chances que je me fasse annihiler de l'existence, évidemment. C'est pour ça que je veux le faire. Je veux me faire annihiler de l'existence. Je veux que ça m'arrive. Quand on aura atteint le bateau, on pourra soit aller chercher ce burin spécial, soit partir explorer les environs. Les deux me vont. À toi de décider. Oui, bah ta gueule. Oh, il est chiant ce môme. Où se trouve le burin? Va sur le pont. Bah... Continue d'aller vers les statues des rameurs et ensuite passe entre elles. Désolé de te décevoir, tiens, mais du coup, merde, elle a une sale gueule, quoi, du coup. Un peu méchant, je suis d'accord. Mimir, tu m'as jamais dit pourquoi Freya t'avait craché au visage. Eh bien, elle me reproche d'être en grande partie responsable de sa condition actuelle, et elle n'a pas complètement tort. Cela remonte à la grande guerre entre les As et les Van. Avant celle-ci, les As gagnaient aisément toutes les guerres, mais les Van leur tenaient tête et rendaient coup pour coup. Les deux camps subissaient de lourdes pertes, et pour beaucoup d'entre nous, honnêtement, la guerre n'était plus un plaisir, mais un gâchis insensé de précieuses vies. Tu n'es pas d'accord, mon frère? Je le savais. Effectivement, c'en était assez. Le conseiller le plus brillant d'Odin se résolut enfin à trouver une voie plus éclairée. Il décida de négocier un traité de paix entre les dieux. Il dut se montrer très convaincant, car Odin finit par accepter d'épouser son ennemi juré. Une déesse Van, légendaire tant pour sa beauté fertile que pour sa maîtrise de la magie Van, qu'Odin convoitait depuis si longtemps. Freya a épousé Odin? Qu'est-ce qu'elle y gagnait? Elle s'est sacrifiée pour protéger les siens, dans un acte de pure compassion. En vérité, elle méritait mieux que cela. Mais bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. Mais ben là, tu vas t'arrêter là parce que merde, hein, ça fait 15 ans que j'attends pour... Alors, bonjour monsieur. Wow. Ah oui, ils sont énervés les gens là aussi. Aïe. Alors, pour la petite histoire, j'ai voulu esquiver. J'ai remarqué, connard! Esquive! Non, ça... Ah bah non, je vais mûrir! Ceci est un malheureux hasard. Aïe! Bon bah c'était. Et que ça arrive à un moment ou à un autre, hein, c'est pas bien grave. On y retourne. Je me suis fait annihiler la gueule, c'était magnifique. Toi, Atreus. Et putain, ta mère, j'ai esquivé. Culé, va. Ah oui, c'est ça que je voulais faire, merci. Ah bah oui non, je suis con. Merde, putain.
Tu as voulu esquiver, ce sera noté dans le procès-verbal de ta condamnation pour meurtre de Kratos. Oui. Bon là je pense qu'il va mourir plusieurs fois. Et clairement, j'ai pas l'impression d'être au niveau. Bon vous savez quoi, hein, je vais être une petite fiotte. Allez, on fait une demi-tour. J'ai pas envie de passer ma journée à me faire arracher la gueule constamment. Donc, nique sa mère. Ça c'est intéressant par contre. Défense augmente de 2 points de façon permanente. Ah c'est cool ça. Est-ce qu'il y a d'autres plages qu'on peut aller visiter? Ça a l'air d'être le cas ici. J'avais pas remarqué, connard. Oh! Coucou! Hey, je suis là! Ok. Ah oh, putain, mais c'est pas vrai, je me trompe de touche pour esquiver, quel connard. Je vais comme ça. Par contre, frère, ça lui fait rien du tout quoi. Elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal, je pensais que ça allait l'arrêter en fait, de passer en mode rage, mais pas du tout. Je le saurais. Non bah c'est pas, je sais comment je vais l'avoir celui-là du coup. Ah le fils de pute. Je sens que ce combat va être chiant. D'accord, je peux pas le prendre. Bah je suis en train de me demander, tu vois. Est-ce que j'ai des ennemis que je suis capable d'affronter ou J'ai l'impression que cette zone elle est un peu haut niveau quoi. Donc le combat va être long et chiant. Allez. Ah putain. Au moment où je vais pour le prendre il pète. J'adore. C'est un plaisir. Je t'emmerde tu vois. Finir par l'avoir hein. Lentement comme un lâche évidemment, mais on va finir par l'avoir. Allez vas-y, ouvre ta gueule, vas-y. Ah oh, j'aime pas quand il fait ça, ils sont chiants. On attend, c'est la patience. Oh putain, wesh. Ah bah c'est bien. Bon, bah j'ai plus le droit à l'erreur. Hein. Ouais, ça va être sympa. Je vais m'éloigner le temps qu'il pète. Je prends aucun risque.
j'ai pris aucun risque. Risque d'en arriver là, mais bon. Je t'ai connu plus en force. Je sais même pas si j'en ai des items de soins, je vais pas te mentir. Ouf. Je crois que je l'ai esquivé de peu celui-là. Faut que j'en achète en vrai de... Faut que j'en achète une pierre de résurrection par contre. C'est bon, t'as fini? Allez vas-y, ouvre ta merde. Ah, je suis mal à la main. J'ai peur. Maman, je veux pas mûrir. Là, ça, en vrai, là, ça me fait chier. Vu le peu de vie qui lui reste. Merde. Voilà. Et c'est à ce moment là où je m'approche sans remarquer et une butte. Ça aurait été mais alors si drôle. Ce protecteur de enchantement augmente de 50% les chances de l'empoisonnement. Oh, intéressant. Oh, il y a un coffre. Là, regarde. Bien. Je pense qu'on va passer chez le marchand. Hein. Mais il va. Ça va être nécessaire. Alors, hop, ça, on ouvre. Qu'est-ce qu'on gagne? Très bonne question. C'est un fragment de code scriptural. On devrait chercher les autres. Oui, on fera ça un jour, t'inquiète pas. Un jour viendra. On fera ça. Je vais tellement pas me faire chier. Tac. On va aller s'acheter une pierre de résurrection. Histoire que si jamais on crève, on puisse ressusciter. Ça peut être une idée en vrai. Eh bien, on peut dire que vous savez voyager, mes amis. Dites-moi comment tout a commencé avec Baldur. Il est venu frapper à notre porte. Baldur d'Asgard a simplement frappé à votre porte? Oui. Il est arrivé et il a provoqué Père. Il a dit qu'il voulait savoir quelque chose. Il a dit « Je sais ce que tu es ». Oh, bon, on y reviendra plus tard. Et qu'est-ce qu'il voulait, au juste? Faire buter. Il a dit que je savais ce qu'il voulait. Il m'a peut-être pris pour un autre. Oui, c'est vrai, si jamais on crève encore. Bon, j'ai peut-être pas dit lui encore, mais bon... Il est là, quoi. Disons que je m'attendais pas du tout à me faire arracher la gueule par mes ennemis hey, un coup. Qu'est-ce que tu veux, nain? J'ai une nouvelle piste sur mon vieil ami Andvari. Retrouvez-moi dans les mines de Landsudder. Il y a un butin pas piqué des vers là-bas. Une nouvelle piste? Mais on l'a déjà trouvé. Enfin, on a trouvé sa main. Je vous expliquerai dans les mines. Celle-là se situe un peu au sud de la rivière. Bon, vous voulez quelque chose ou vous allez rester planté là comme deux poules devant une hache? Ah, les poules restent plantées devant les haches, c'est une bonne... c'est bien à savoir, ça. J'ai retiré l'anneau de la main d'Andvari dans les mines de Volund. Cette crapule trafique avec les âmes, pratiquer des rituels obscurs et tremper dans des affaires louches. Ça ne m'intéresse. Ça par contre, il y a un moment où... Le simple son de son marteau frappant le métal suffisait à raviver les flammes de ma forge. Oh là, vous feriez bien de partir. Je suis tout émoustillé. À voir, à voir. Je ne peux évidemment pas me les faire. Ça ne m'étonne pas. Ça non plus. Ça non plus. Qu'est-ce que... Et ça non plus, d'accord. Bon. De toute façon, je verrai ça, je pense, un peu plus tard. Merde. Évidemment, je voulais acheter un truc, j'oublie de le faire. Qu'est-ce que vous avez trouvé?
Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Est-ce que ce serait pas dans... Non, c'est pas dans la ressource. Putain, je sais plus où il faut l'acheter. Là, pierre de résurrection. Pierre de résurrection supérieure. Ah, ça c'est intéressant. Allez hop, j'en prends une. Merci Bing. Allez hop, je quitte. On taille la route ou bien le bout de gras? Oh, tu vas fermer ta gueule, hein. Compétences. Est-ce que j'ai des compétences que je peux acheter? Augmente la quantité de... accumulée à chaque coup de hache réussi. Ça, je prends... Ça, je sais pas si je vais le prendre tout de suite. Après avoir réussi à lancer la prison... Nanana. Ah, j'hésite. Va te faire foutre. Ah, alors ça c'est bien ça. Les flèches électriques infligent des... Ah, plus de dégâts, j'avais pas lu le plus en fait. Du coup j'étais en mode, les flèches électriques infligent des dégâts électriques. Bah je pensais que c'était déjà le cas à la base. Bande de con. Les flèches humaines encore plus de dégâts d'étourdissement. Ça, je vais le prendre. Tiens, ça c'est quoi? Durée d'extraction accrue. Allez. Je prends un petit peu parce qu'en vrai, je m'en sers de plus en plus de ce petit con là. Oh, ça c'est cool ça par contre. Ça, le bouclier, je m'en sers jamais. Ça pourrait être sympa. Un menu, maintenez R2 pour effectuer une frappe de bouclier infligeant des dégâts d'étourdissement modérés. Appuyez sur R2 après avoir bloqué une attaque au dernier moment pour contrer une frappe de bouclier. Oh, oh, c'est beau ça. On va faire tac tac. Merde. Merdoum, comme diraient certains. En vrai, ouais, je le prends. Tir fixé, bloquer un projectile au dernier moment, absorbe l'impact et renvoie le projectile à son propos. Ça. Allez, ça c'est gratuit. C'est gratuit, façon de parler. Lors d'une esquive à un main nue, maintenez et appuyez sur R1 pour effectuer une frappe rapide. Ça ne m'intéresse pas. Quoique. Oui, non, ouais, non, c'est bien ce qui me semblait. Appuyez sur R1 pour effectuer un puissant coup de poing qui projette l'ennemi au sol. Au sol. Bonne question. Ah, ça peut être cool ça. Piétinement rapide, blessant et interrompant tous les ennemis à proximité. Si, mais un jour j'en aurai des... pas sympas avec moi de toute façon. Maintenant R2 pour effectuer une frappe rageuse plus puissante avec une zone d'effet plus étendue. Ok. Et sur L2 pour soulever et jeter un gros rocher qui explose à l'impact en causant important dégage, j'ai envie de dire pourquoi pas après tout hein. Maintenez L1 pour charger une frappe, une puissante frappe de pied au sol pour projeter les ennemis en l'air. Continuez à appuyer sur R1 pour plonger des coups de poing avec frappe ardente. Ouais, allez, en vrai ça je vais le prendre quand même. Et c'est déjà pas mal. Ah là voilà. Maintenant que ceci est fait, en vrai, j'hésite à continuer l'histoire. Je me dis, pourquoi pas, on pourrait se balader plus tard. Ouais. Et en me... Ah putain, c'est ça que j'ai oublié de faire. Putain, mais je suis con moi quand je m'y mets. J'ai oublié un détail très important. Ouais. Genre
Alors déjà, Odin et Freya étaient mariés. L'amour et la haine sont entremêlés bien plus que tu n'imagines. Vois-tu, Odin déteste les géants. Et... Si tu le dis. Accès mystique, inaccessible pour l'instant. Ah, c'est chiant ça. C'est quoi? Le voyage. Accès mystique. Oui, bon, ça c'est nous du coup. Ah, est-ce que c'est pas celle-là de... Ah oui, non, d'accord, ça je l'avais déjà fait. Putain, j'ai rien trouvé là-dessus. C'est affolant. J'étais déjà allé là-bas. Ah, c'est... Est-ce que c'est pas cette quête... Je sais pas du tout de quelle... de quelle quête il parle, l'autre con, là. L'autre con de cul, là. Nouvelle destination, pas là au serpent monde. Ouais, donc ça c'est bien, c'est pas ce que je voulais. Et des brocartes. Ah oui, c'est ça. Alors, ouvrir le royaume. Ouais, le royaume, ouais, on s'en verra ça plus tard. La nuit est brasier, parler aux esprits autour du. Alors, ça, j'en ai trouvé un certain nombre, mais pas tous. Et ça, c'est con. Et ça, c'est con. Il en manque un. Inversement. Mais là. Mais on s'en bat les couilles. Affaire inachevée. Ah bah c'est là du coup. Du coup la question que je me pose, c'est... La mère de Thor est pourtant la géante Fjörgyn, l'un des grands amours. Que c'est pas là. Donc Thor est mi-dieu, mi-géant. Wow. Une fois Fjörgyn parti, Odin vécut dans la solitude. Et alors que la guerre contre les Vannes faisait rage, je voyais bien ce qui se cachait derrière ces bravades. Et après d'âpres négociations, Freya finit par accepter. Dans un premier temps, le charme a vraiment opéré. Odin avait l'air heureux et il semblait vouloir la rendre heureuse. Il a accédé à plus de ses souhaits que je ne pourrais en compter. La paix était durable et j'ai vraiment cru que les choses s'étaient déroulées mieux encore que j'aurais pu le prévoir. Mais le véritable visage d'Odin refit bientôt surface. Oh, il gagna la confiance de Freya et elle lui a appris une partie de la magie vanne, un autre choix qu'elle regretterait amèrement. Hélas, malgré les efforts de son sage conseiller pour le convaincre que la paix était le seul et unique moyen d'éviter le Ragnarok, Odin était toujours obsédé par Jotunheim. L'aperçu qu'il avait eu de la magie vanne l'avait amené à de nouvelles formes d'expérimentation et de dépravation. Ah c'est bon, il a fini. Je crois qu'il n'avait jamais terminé de parler, ce con. Qu'est-ce que donc que ceci? Il s'agit pas accès encore. Hop là, et maintenant on grimpe. Grimpons. Et tout, l'échelle. Enfin, l'échelle, qui est une chaîne, hein, mais bon. Oh non, je peux pas passer par ici. Je dois passer par. Ah bah, je ne peux pas passer par là non plus. Merde! Ah, attendez. Ça va être par là, je pense. Laissez-moi deviner. Le sage conseiller dont parle Mimir depuis tout à l'heure, c'est lui qui se lèche les couilles. En même temps, maintenant que sa tête et son corps sont détachés, ça doit être plus facile. Exactement. Merde. Moi, je suis censé faire pour le bloquer par contre. C'est une vraie question ça. Ah, je peux pas plus. Non. Eh ben, c'est une bonne question ça. Comment qu'on va faire ça? La vraie question, c'est est-ce que je peux même passer par ici? Merde. Ah le con quoi! Ah non mais le con, il sait même pas utiliser correctement quelque chose. Parce que là c'est bien beau mais je peux clairement pas y aller. Et là c'est bien beau mais je ne peux clairement pas y aller. C'est génial. Comment je suis censé y aller, bordel de merde? Eh ben j'en sais foutrement rien.
que là je peux pas le baisser plus si je comprends rien. Il bloque ici. Et si je relâche, de toute façon, il remonte. Bon, bah voilà. Et c'est fait. J'ai aucune idée de comment on passe par ici. Chiant, chiant, chiant. Est-ce qu'en passant de l'autre côté, il y a un chemin qui peut nous y mener? C'est ça la question. Essayez de voir. Hein. D'accord. Le mariage entre Odin et Freya n'a pas duré. Mais pourquoi aller vivre en ermite dans les bois? Oh, c'était particulièrement cruel, même de la part d'Odin. Comme si le mariage n'était pas une punition suffisante. Il ne méritait pas une femme comme Freya. Elle a essuyé toutes sortes d'affronts au nom du maintien de la paix et de la sauvegarde de son peuple. Mais la folie d'Odin, sa tyrannie, l'usage corrompu qu'il faisait de sa magie, c'était plus qu'elle n'en pouvait supporter, et elle finit par le quitter. La colère d'Odin fut immense, et ses châtiments excédaient tout ce qu'elle aurait pu redouter. Mais sa magie était plus puissante que la sienne. Après tout ce temps passé près d'elle, il connaissait ses faiblesses et s'en servit pour lui jeter une malédiction qu'elle ne pourrait rompre. Oh, comme l'empêcher de quitter Midgard. Pire encore, il la priva de son esprit combatif. Freya ne put plus se battre, pas même pour se défendre. Elle ne put blesser aucun être vivant, ni par le fer, ni par la magie. Dans un monde si belliqueux, quel autre choix lui restait-il alors que la réclusion ? Pauvre Freya. À sa place, je t'aurais craché dessus aussi. Oui, petit. Moi aussi. Tu vois, entre toi et un miroir, hein. Ça peut s'arranger pour que tu te craches dessus. À sa place, je t'aurais craché dessus aussi. Tu m'étonnes. Bon, est-ce qu'on va pouvoir trouver un moyen d'accéder là-bas? C'est une très très bonne question. On va bien voir. Ça permet de... Non, clairement pas. Hein. Pas du tout au bon endroit, quoi. Je vois pas du tout comment y accéder. C'est une dinguerie. Je sais pas comment faire, ça c'est chiant. Après, est-ce qu'il n'y a pas un monde où faut passer, faut suivre un petit peu l'histoire pour ensuite se détourner, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et on va déjà aller par là-bas, je sais pas du tout où on va, mais on y va. Hein. Plutôt par là. Ah bah écoutez. D'accord. C'est juste pour de la thune. J'ai envie de dire why not. J'ai envie de dire pourquoi pas. Bon, on redescend. C'est avec ça. Et on retourne en bateau. Parce que Mimir va encore nous offrir une petite partie de l'histoire de Freya. Truc très con qui vient de m'arriver, qui arrive, j'imagine, à beaucoup de gens. Mon pantalon qui... C'est comme si ça me... Il y a quelque chose. Ah, attendez. Voilà. C'est là que la tour Berlioz-Imaïm devrait se trouver. Comme si j'avais eu une piqûre, quoi. Une drôle de sensation. Quelqu'un a utilisé la magie des arcanes ici. C'est évident. Je ne serais pas surpris d'apprendre que tu y es sensible. Je vais tenter, en vrai. Je vais tenter d'aller voir si je peux, si en passant par là, je peux accéder sur le côté. Comme dans Avatar, le dernier maître de la mer, je suis Mimi, je t'offre une perle de sagesse. Tu fatigues. Mon dieu, qu'il est con ce con. Oh, un coffre. Alors. Ah, ça y est, je peux les lire. Ah, mais il était temps. C'est en un. Rota! Le nom l'a allumé. C'est le nom d'une valkyrie.
Oh putain. Ça pue ça. Je sais ce que ça veut dire. Et ça chlingue du cul. Non, bah ça c'était déjà fait en plus. On est déjà passé par ici. On lui disait passer par ici. On repassera par là. Donc si je comprends bien, on n'est pas à Vanaheim en ce moment, même si on est dans la tour de Vanaheim. Exact. On est toujours à Midgard. Cette tour n'est qu'un reflet d'une tour identique qui existe à Vanaheim, au même endroit. Ici à Midgard, elle est purement symbolique. Il faudrait utiliser la salle de passage entre les royaumes pour aller à Valhalla. Je suis perdu. Estime-toi déjà heureux que ça fonctionne. Ça n'a aucun sens. Mais bon. On s'en fout, on y va. Je me dis avec un peu de chance, ça va me permettre de... d'aller là où je veux. On verra bien, de toute façon. On verra bien. Un flashback de toute sa vie parce qu'il hésite à tuer le seigneur du feu et vraiment dans ses incarnations et tout. Les sales bâtards lui disent des trucs superflus et finissent par « Je suis XXX et je t'offre une perle de sagesse ». D'accord, j'ai envie de dire « Pourquoi pas ?» Bonjour, bonjour. Alors, êtes-vous allé dans la réserve de Fafnir ? Eh merde. Putain, pas du tout au bon endroit, hein, évidemment. Ah, casse les couilles. Comment est-ce que je peux y accéder à cette merde ? Clairement pas par là. On repart. Est-ce que je... Ah non, je peux pas directement faire un pont comme... comme pote. Tu connais pas par... Car Avatar, le dernier maître de l'air, je te renie, tu peux vous faire. Non, je ne connais pas par cœur, j'avoue. Je suis quelqu'un de mauvais et de sale pour la peine. Ça, c'est vraiment un gorille. C'est ça son animal totem en fait à Kratos, c'est un gorille. Voilà. Bon, j'abandonne cette quête, ça me casse les couilles. Ouais, je verrai ça plus tard. Ça dégage. J'ai pas envie de m'emmerder à tourner en rond comme un connard pendant des heures. Et clairement. Là, ça par contre, ça pourrait être intéressant de... d'y aller. Où est-ce que c'est du coup? Ah d'accord, les mines elles sont là-bas et du coup lui c'est... Ah oui, c'est loin. Mais c'est super loin en fait. Petit bâtard. Faut que je passe comme ça, je fais tac 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 tac. On passe dans la caverne là je pense. Et ça pourrait nous y emmener. Ouais. On va faire ça. C'est deux secondes. Heureux, souris. Donc,
Reprenons la barque. Donc si je dis pas de conneries. Cavernes oubliées, c'est là-bas. Allons vers les cavernes oubliées. Pardon. J'ai trop envie de lui envoyer Mage dans la gueule. Juste pour voir ce que ça fait, quoi. J'ai une question. Si Ymir était le premier géant, lui, il a une réponse. D'où est-ce qu'il venait ? Au commencement était Dinungagap, le grand vide. Il n'y avait alors aucun royaume, seulement des forces primordiales. Le feu et puis la glace. Dans le vide, leur rencontre produisit... L'eau ? Bien plus que de l'eau. L'essence mystique d'une chose entièrement nouvelle. De cette eau naquit Ymir, qui devint un être de création et de chaos, mère et père de tout ce qui serait par la suite. Même les As ? Oui. Chaque dieu, homme et bête, est d'abord né de la chair d'Ymir. Cependant, les As s'estimaient à ce point supérieurs qu'ils décidèrent qu'ils devaient dominer le reste de la création. Ce fut Odin qui prit les armes contre son créateur, et par sa lance fit couler le sang sacré d'Ymir. Un mal nécessaire, selon lui, pour apporter l'ordre dans les royaumes. À partir de la chair d'Ymir, Odin façonna le royaume de Midgard, qu'il fit sien. Il se fit appeler le Père de tout, comme s'il était le créateur et non son meurtrier. Petit tyran cupide. C'est marrant comme on sent qu'il a envie de... Pardon, fiston. Je crois qu'il vaut mieux qu'on s'arrête là, en fait. C'est marrant parce que tu sens qu'il a envie de l'insulter bien comme il faut, mais il ose pas. Du coup, il le traite de petit tyran cupide. C'est un peu mignon, quoi. Je peux l'atteindre, là ? Il est où ? Il est où ? Espèce de sale serpent du cul, là ! Oh, oui, il est là-haut. Dans tes dents ! Oh non, ça atteint toujours pas, hein. Tu penses que Fafnir est aussi allé à Alfheim ? Je ne sais pas. Pas curieux ? Il a l'air intéressant. Nous allons dans sa réserve pour récupérer des choses qui pourraient servir. Pas pour en apprendre plus sur ce nain. Fafnir était quelqu'un de très intéressant, petit frère. Je te conterai peut-être son histoire un jour. Ouais, ouais, bah, tu le raconteras si tu veux, mais quand je serai pas là. Pour l'instant, tu fermes ta goule. La la la. Ah, le voili. Le voili, le voilou. Pauvre Fafnir. La ligne est mince entre l'ambition et la cupidité, vous savez. Si tu le dis. Hey Sindri, tu connais Mimir ? Si tu parles de la tête coupée qui me fait des clins d'œil, merci de ne pas l'approcher. Je doute que ce soit très hygiénique. Oh, charmant. Ravi de te voir aussi, Sindri. Crétin. Ah, ça s'aime pas. Serait-ce un morceau de ma flèche de gui tressée qui orne la lanière de ton carquois ? Un petit souvenir de ton ami Sindri ? Oh, je suis extrêmement touché. Si tu le dis. Tiens, j'aime pas les trucs. Bon. Y a pas... Ah, attendez, j'ai entendu un croissement. Oui, je l'ai vu. Approche de là, toi. Sale espèce de sale petite merde ambulante. Je me suis raté. Voilà. Connard. Sale empaffé d'enculé. Un peu vulgaire, un peu vulgaire, je vous l'accorde. C'est pas faux. C'est même, je dirais, plutôt vrai. Bon, qu'est-ce qui va nous attendre comme énigme, pardon, etc., etc. C'est une très bonne question, hein, on va des voir. Oh oh, ils ont dû arriver avant nous. Des petits pillards. Hop là, Steve. Derrière toi. Aïe. Pas gentil ça. Pas gentil, j'ai dit.
Merci. C'est fort aimable. Aïe, 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 aïe. Esquive, j'ai dit. Ils sont où? Ils sont où? Salaud! Ah, le salaud, quoi. Le goût. Si tu le dis. C'est fermé. Trouvons un autre accès. Alors, attendez. C'est qui est mignon en bi? Ah, c'est Libère Café. Voici l'heure actuellement qu'il est. Et... Oh! Oh! Regardez qui voilà! Suis-moi, Atreus. Non, non, le suis pas, on s'en bat les couilles. Je veux juste trouver où sont les... Je me fais chier au milieu. Si quelqu'un... Oh, bonjour toi. Si quelqu'un voit ce dont nous avons besoin, n'hésitez pas à me faire signe. Là-haut, je les avais pas vus, putain, je suis aveugle. J'en ai deux. Il me manque un troisième. Où se trouve-t-il? Putain, mais il y en a plein des corbeaux, sa mère. Regardez, j'en ai trouvé trois dans la même zone, quoi. Mec, oh. Il se calme, hein, lui, hein. Oui, oui, j'ai regardé, attends. Hop là, tiens, ça, je récupère. Acier doux. Acier doux, c'est comme les acier doux, c'est ça? Elle était pas sympa, ma vanne. Enfin, elle était même nulle à chier, mais bon, c'est pas grave. Tenez quand même à la partager parce qu'après tout. Oh, regardez un bout de serpent! J'attends toujours pas. Triste. Le troisième est passé dans ton champ de vision, mais tu l'as pas vu. Ah! Attendez. Retournons dans notre champ de vision. Notre champ de vision. Oh, attendez, il y a un truc là-bas. Voilà. D'accord, c'était juste... Ah, il est là. Il est haut. Ça y est, je l'ai vu. Je l'ai vu que ça. Voilà. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que nous gagnons? Corne. J'aimerais bien un peu de la vie aussi quand même. Hein. Ça pourrait être sympathique. Bon, bah on va pouvoir passer par là du coup. Je présuppute que c'est par là. Comme il est mignon ou elle. Il ou elle dépend. Vous pensez que c'est plutôt il ou plutôt elle? Je suis curieux de votre avis. Yel. Non mais ça risque de faire de polémique après tout ça, comme pour Dragon Age, comme si les gens il a fallu 2024 pour qu'ils comprennent que Dragon Age a toujours été, comme ils disent si bien, woke. Petite merde. Wow. L'oison vert était mignon mais il est mort. Ah oui, c'est une petite pute espion de mon pire ennemi en fait actuellement, donc dès que j'ai envoyé un je le défonce. Je suis partisan du wokisme vu mon addiction à Dragon Age. Je tue aussi, t'inquiète pas, parce que vu comment je l'ai poncé, comme je suis en train de le poncer. Pourquoi je sens le... Une carte au trésor, parfait. Ouais, trop bien, une carte au trésor. Wouhou. Alors, on va voir. Pourquoi je sens la connerie, hein? Vous la sentez la connerie? Moi je la sens la connerie. Les pillards ont réussi à rentrer, on dirait. J'espère qu'ils ont pas emporté tout le trésor. Ah, c'est là-bas. Le temple, moi. C'est fermé. Oui, allô, bonjour. Je me permets d'ouvrir la porte, hein. Merde.
Ah putain, il a une... Bon. Ah l'enculé. Aïe. Ça fait des sons capiques. Voilà. Eh ben. Tiens. Prends ça dans tes dents, Prius. Ni de pierre à aiguiser. N'espère rien, et tu ne seras jamais déçu. C'est beau et poétique. Bravo, Kratos. Du coup, qu'est-ce que ça raconte? 4 trésors, pas fait. Ta gueule, fils d'imbécilité. Oui, papa. C'est un peu l'idée, ouais. Bon, qu'est-ce qu'on a gagné? Pierre de passage. Bien. Je crois qu'on peut repartir. Hein. J'ouvre la porte. Ça me gratte. T'inquiète. J'en fais mon casse-croûte. Envole-toi. T'as toujours voulu apprendre à voler, n'est-ce pas? Ah. J'aime pas ta tête. Ils t'ont pris par surprise. Je m'y attendais pas. Exactement. Faut toujours s'y attendre, voyons. La la la. Allez, on y retourne. Toc toc toc. Oh putain. Oh putain! Ah ouais, il est du genre à one shot lui, d'accord, ok. Ah bah c'est sympa de savoir ça. C'est que c'est sympa. Aïe.
Ah l'enculé! Je t'ai vu, fils de pute! Et merde. Ah, nous voilà bien. Fais chier. Fais chier. Ouais, bah lui va pas être simple. Hein. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Du coup, qu'est-ce que ça raconte? Il a une tête de mort à côté de sa barre de vie, débilus. J'avais pas vu. Bien sûr que oui, j'ai pensé à utiliser la pierre. Vous êtes con. Non, mais je pense que je peux y arriver. Avec, Je suis avec toi. Mais putain de ta race là. Culé va. Merde, putain de poison, j'avais oublié celui-là. Un peu de poison dans ma gueule, c'est pas grave, on fait avec. Culé, va. Il est où, l'autre? Voilà. Il ne faut pas que mon côté psychopathe reprenne le dessus. Mais si, vas-y, fais-toi plaisir. On aime bien ça. C'est d'abord pour ça qu'on est venu. Mais la plupart de ces coffres ont été vidés. Sûrement par les pillards. J'espère qu'ils n'ont pas pris la pierre à Élisée de Sindri. Oh, bah, je sais pas, mais j'imagine bien que le boss qui m'attend, je vais voir flou, quoi. S'il repère, je vais l'insulter face cam. Bah, c'est pas sympathique ça, moi ça va me faire pleurer, moi. Vous voulez que je pleure, c'est ça? J'ai un bon pressentiment pour la prochaine. On trouvera peut-être même la pierre à aiguiser. Rappelle-toi ce que je t'ai dit à propos de tes espoirs, Atreus. Je dois rien espérer, je sais. Mais quand même, j'ai un bon pressentiment. Alors, si toi t'as un bon pressentiment, ça veut dire que je vais tellement me faire arracher la gueule. Mais alors d'une force, d'une puissance. Oh putain, elles sont deux évidemment. J'entends Atreus. Et moi j'esquive. Bien, je peux esquiver, non? Aïe, j'ai esquivé dans le truc, hein, vraiment là. Excusez-moi, je prends ça, merci. Je l'avais pas vu.
Je vais pas te concentrer sur une, tu la butes, et après on parle de l'autre. Con, putain, elles sont chiantes, vraiment, je peux pas les attaquer à distance. Ah bah sois pris plus vite, connard. J'attends pas. Ah, ce moment passionnant. Ah, ça marche bien ça par contre les... Ah oui, par contre les flèches comme ça, franchement, ah oui. C'était le bon bail en fait. J'aurais dû utiliser ça dès le début. Voilà. Connasse. Je déteste ces ennemis. On te l'avait dit. On te l'avait dit. Oh, on a quand même eu des écailles de serpent. Bon, en vrai. Voilà. Bon. Repartons tranquillement, mais sûrement, vers notre Kate. J'ai un problème de son, je sais pas si vous l'avez eu. Dis, partons dans ta gueule! Je t'ai préparé cette fois. J'ai vu. Alors je dois rien espérer, mais je dois m'attendre à ce qu'on m'attaque à tout moment. C'est un équilibre délicat. Attends-toi au pire. Ne tiens rien pour acquis. Et essaie d'anticiper les attaques. J'ai beaucoup de choses à mémoriser. Quoi ? Merde. Je pensais qu'on allait aller là-bas, mais pas du tout en fait. Oh putain, encore une porte ! Mais nique, hein ! Qu'est-ce qui m'attend cette fois-ci, hein ? Ça c'était métal! Métal dans ses dents! Bon? D'abord. Pas de pierre à aiguiser. C'est plus qu'une salle. Je sais que je dois rien espérer, mais... Tu penses qu'elle est dans celle-ci? Non. Je ne le pense pas, je le sais. Parce qu'après tout, c'est une logique de jeu vidéo, Atreus. Ah.
mal aussi. Bon, qu'est-ce qui nous attend cette fois-ci, hein? Super! Je sais pas, mais ça pue du cul! Tout ce que j'ai à dire, moi. Allez, cette fois-ci, qu'est-ce qui nous attend, hein? Bah, c'est une belle âne de Vos, déjà. J'ai pas envie d'apprendre. J'ai pas envie de. Non. Mais ça va bien, oui! Petit con, va! Colère de l'ancien vie, va! Faisceau rapide de glace qui ralentit les ennemis qui touchent! Oh, c'est sympa ça! Ça a l'air cool en vrai! Franchement, par curiosité, je vais l'équiper. Je sais plus comment on l'utilise, mais c'est pas grave. Tu reviens te soulager sur mon cadavre, espèce de petite horde! Hein? Qui êtes-vous? On cherche une pierre à aiguiser. Vous l'avez vue? Oui, il y en avait une dans cette pièce. Mon fils a aiguisé sa dague avec, juste avant de me poignarder dans le dos. Quoi? Ce petit bâtard estimait que c'était à son tour de diriger mes gars. Je n'ai pas été tendre avec lui, c'est vrai. Ça ne devrait pas me surprendre. J'ai fait la même chose à mon père quand j'avais son âge. Ah, l'enculé. Il a tué son propre père! Où est-il maintenant? Ah, c'est peut-être un meurtrier, mais ça reste mon fils. Ne compte pas sur moi pour t'aider. Alors sa dague nous aidera. Hey! C'est à moi! Hey! Viens, ah Atreus. Oui, effectivement. On s'en va. Voilà! On s'en doutait. Ah oui, c'est comme ça, effectivement. Oh putain, il y en a deux! Je vois rien. Et j'aime pas quand je vois rien. T'inquiète, j'attentionne. Enfin, j'essaye. Ah, oh, ils peuvent se taper eux-mêmes. Ah, c'est drôle, ça, par contre. Et si on faisait ça en vrai pour y aller? Ouais! Tapez! Ah, j'allais dire, par contre, ça t'es quand ou... Bon! C'est une bonne chose de fait, hein? Ta gum et ouvre les yeux! Mais du coup, c'était bien ça. Je te remercie pour avoir remarqué ce que je n'avais pas vu.
Oh, ça y est, ils ont ouvert toutes les portes. Comme c'est beau. Pourquoi est-ce que son fils l'a trahi? Tu es son propre père, pour un présent. Il faut être vraiment cupide. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ne tiens rien pour acquis. C'est vrai qu'il avait pas l'air d'être un très bon père. Mais quand même... Tu ne connais pas toute l'histoire. C'est vrai. Si un jour tu me trahis, je te pète en deux. Bon. Oh, regardez qui nous attend tranquillement, sagement. Eh ben écoutez. Glace infusible des confins de L permet d'améliorer les pommeaux infligeant des dégâts de givre. D'accord. Oh, homme de maîtrise runique. Objet de légendaire enchantement réduit de 15% les dégâts subis pendant une attaque runique. Ah mais non, mais ça je voulais pas le changer, merde. Ah le con quoi. Toujours pas, qu'est-ce que donc? C'est si marrant ça. Ta-ta-ta. Non, ça je le garde. Bon. Merde. Monsieur Forêt. Ah, t'es choqué, hein, parce que les arbres magiques. C'est bon, t'as fini? Dans tes dents, enculé! Tiens, prends ça et ça, et ça c'était pour ma femme! Esquive! Ah, il me fait chier lui! Allez, vas-y, vas-y, vas-y! Viens, 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 viens! Ah! Normalement, je pensais être libéré de du joug de l'ennemi, mais non. Esquive. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Bande de cons. Ah, voilà, merci. Toi, tu crèves et t'as de me faire chier. Eh, vas-y, attaque-moi, toi. Vas-y, 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 vas-y. Qu'est-ce que c'est chiant avec des ennemis autour par contre. Ils sont déjà pas faciles à buter ces conneries là. Mais alors avec un connard qui m'emmerde avec. Voilà. Il nous fera plus chier et j'en profite.
Vas-y. Merde. Vas-y. Ouvre ta grande gueule. Merci. Dans tes petites dents. Ancien de bois, bah putain. Ça, c'est fait. Un rude combat. Alors, saut de vitalité de Sigurd. Ok. Ça me fait penser à Iron Man contre Hulk. Faut que tu dormes. C'est tellement vrai. Ah, j'ai l'image. Bon, est-ce qu'il y a des petits mignons, petits corbeaux à buter encore ici? Non? C'est bon. On peut repartir. Tranquillement, mais sûrement. Et déjà 17h, eh bien. Le temps passe vite quand on s'amuse. Alors... Qu'avez-vous pensé de la réserve de Fafnir? On n'a pas trouvé de pierre à aiguiser. Cette dague appartient au pillard qui l'a prise. Ils ont pris tout ce qui avait de la valeur. Oh, bon. Tiens, prends ça, en échange de la dague. Talisman de trahison. Activé en visant pour entrer le temps. Dans ce mode, les attaques à distance sont plus puissantes. Oh. Oh, c'est intéressant ça. Je prends, j'équipe. J'équipe. Alors, attendez, parce qu'on m'a dit quelque part. Appuyez sur R3 pour activer. Ah oui, effectivement, j'avais pas vu que c'était écrit là. De bonne facture. Mon père qui veut protéger son fils et crête. Dans le il n'a pas le choix. Il a dit qu'il faisait partie d'un clan plus grand. C'est peut-être eux qui ont pris la pierre. C'est fort probable. Je suis sûr d'avoir déjà vu ce. On s'en bat les couilles, on s'en va. Oh. Ah non, il est toujours en top forme. Hop. Allez, on va pouvoir courir. Qui étaient les deux hommes avec Baldur? Allez, on y va en rond. Ce sont vraiment les fils de Thor? Ah là oui, là. Magni et Modi, deux abrutis finis que tu ne risques pas de croiser dans les halles d'Asgard. Ils obéissent au doigt et à l'œil à leur oncle. Ils sont stupides. Certes, mais ils sont aussi dangereux. Quand ils font équipe, ils sont redoutables. Mais ils passent plus de temps à se chamailler. Enfant déjà, leur force était légendaire. Je me souviens du jour où le géant Rungnir est tombé sur Thor. Une autre fois, tête. J'aime bien le fait qu'il l'appelle tête. Et il a un prénom, hein. Pas très gentil pour lui. Hein. C'est pas très la gentillesse. Par où qu'il faut qu'on aille? Donc ça c'est fait. Bon, j'imagine qu'il y a peut-être des trucs à rajouter, mais tant pis. Là-bas, chambre cachée, d'accord, c'est bien. Atelier. Chambre cachée dedans. Oh, c'est intéressant ça. Et si on passait par là? Tenez là-bas, ouais. Ouais. Objectif. Nous allons, on s'en fout, j'ai dit. Voilà, c'est celui-là qu'on va les faire. Qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? Alors, continuez à me dire du balai, et c'est ta tête qui va servir de balai. Allons du Vilco. Allez, comme ça pendant ce temps, lui va pouvoir raconter ses petites histoires. Ils sont toujours très intéressantes au demeurant. Par où aller? C'est la vraie question par contre. Du coup, j'aurais tendance à passer par là en premier. Nous sommes ici. Nous devons aller bah, vers là-bas quoi en fait. Hein. C'est con mais c'est vrai. Je vais pas du tout vers le bon endroit là.
Du tout même. C'est quoi? Attends, c'est quoi ça? Ouais, il va faire inachevé, on s'en bat les couilles, c'est ce qui me semblait. Mettre une boussole, hein. Ah ouais, non, il est allé par là, du coup. Bah, qu'est-ce qui m'a fumé comme moquette? Attends. Ouais, non, c'est par là, du coup. On dirait que... Ah, si, c'est par là, du coup. Ok. Ouf, ça fut compliqué, hein. Père Mimi, raconte-nous une histoire. Et mon poing dans ta gueule, si tu le manges, est-ce que tu vas y croire? Peut-être un peu violent. Oh, tu es de la sorcière. Ah, nous sommes déjà de retour chez la sorcière. Eh, B. Ouais, mais elle nous en veut. De toute façon, on a réveillé Mimir, alors elle est pas contente. On va y aller, hein. Ah, c'est le projet, quoi. Attendez, je fais un petite marche arrière, voilà. Pas très doué pour les créneaux. Et ça, malheureusement, c'est réel. À ton avis, Mimir, pourquoi est-ce que Baldur nous cherche? Eh bien, résumons ce que nous savons. Baldur est sans conteste le meilleur traqueur d'Odin. S'il vous cherche, il faut envisager la possibilité qu'Odin lui-même vous cherche. Et pour ce qui est de déchiffrer les intentions d'Odin, j'ai de la pratique. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir qu'Odin n'a pas? C'est le roi des dieux. Des as, oui, mais son pouvoir a des limites. Et ce qui est hors de sa portée, il cherche constamment à l'atteindre. Crois-moi, il a passé des années à me torturer pour ça. Ben, c'est fort sympathique tout ça. On sent qu'il y avait de la joie et de la bonne humeur. Ah, Asgard, alors je suis ici. Et mon objectif, c'est d'aller ici. Donc il faut que je sorte dehors. Et en même temps, on va pas sortir dedans, c'est compliqué. Vous ne vous êtes pas quitté en très bon terme. Franchement, je suis surpris que tu reviennes ici. Des trucs à faire. Donc tu fermes ta gueule et ta caisse. Si tu dis pas de conneries, je peux sortir par ici. Ah, c'est bien ce qui me semble. Atreus avec moi. La la la. Hop, on grimpe et on grimpe. Je m'appelle Kratos et je suis un singe. Ah oui, c'est ici qu'il y avait le coffre que j'avais que j'ai abandonné. Tristement, parce que je ne voyais pas comment l'avoir. Je dirais que c'est par là-bas qu'il faut qu'on aille. Non, pas du tout. Je dirais que c'est par là-bas qu'il faut qu'on aille. Oui, complètement. Je sais pas du tout comment faire pour aller là-bas, moi, tiens. À part s'il y a un chemin que j'ai pas fait, enfin, que j'ai pas vu, plus exactement. Là, il y a ça, ouais. Là, il n'y a pas de chemin, là. Hein. C'est bien ce qui me semblait. Mis à part un petit couloir. Par là, c'est pas grave, on va tenter. Ah bah du coup il me met une quête par là bas lui, donc c'est complètement à l'inverse de là où je dois aller. Il est con lui. Ah bah oui, voilà, en fait c'est juste pas où je dois aller, quoi. J'aime bien quand t'as des objectifs de quête que tu t'essayes de suivre et que tu te rends compte que le jeu n'est pas capable de te donner la bonne bon endroit où aller. Petit défaut, mais bon, pas grave, on fait avec. Hein. Et merde.
Bah je vois pas du tout comment... Ah putain. Je dis ça comme si je savais exactement ce que je... Ah oui, si, bah si. En passant comme ça. En vrai, il y a un monde, on passe là. On fait tac, 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 tac. Tac, 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 tac. On prend la, le bateau. Tac, 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 tac. On fait tac, 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 tac. Je suis sûr que c'est ça. Fais chier. Fais chier. Ça veut dire que j'ai fait tout ça pour rien. Ah là là. On aime, on adore. Par contre, du coup, vu qu'on est ici, je me dis... Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et si on essayait de faire ce putain de coffre? En gros, coffre. Ah, mais attendez. J'avais pas vu ça. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qu'il va falloir que je débloque dans l'histoire qui va me permettre de... Putain, à tous les coups, ça va être ça. À tous les coups, ça va être ça. Putain de con. Que ça, si je le... si j'essaye de le péter... Ah, ça fait rien. Hein. On est d'accord. Parce qu'après, je vois qu'il y a trois runes là. Cependant... Bon, ah, putain des... Oh, putain des... Hein. Je viens d'avoir une idée en tête. Je viens d'avoir une idée en tête. On va tenter. Est-ce que... Si je fais genre ça... Admettons que j'admettonne. Non, toujours pas. C'est pas grave. C'est bien, il y en a que deux. Ouais, ok, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, pas du tout. Non, ça me permet pas du tout de... Ou alors, il faudrait que j'arrive à avoir, je sais pas, par exemple, les deux comme ça. Admettons, est-ce que j'ai... Là, j'ai ça, ouais, ok. J'ai quoi d'autre comme... Ouais, non, je vois pas, hein. Et clairement pas, quoi. Non. Bon. Y a pas des... En fait, le truc, c'est que les runes que je vois là, je les ai pas toutes sur le... Voir, j'en ai... Ah, d'ailleurs. Donc, j'y pense. Je crois qu'il y en a une là-bas, je vois pas, mais... Donc, non, je ne pense pas que ce soit avec ça. À mon avis, il faudra que j'ai accès à un nouveau pouvoir que je ne sais pas. Je vais partir au travail pour aller m'amuser. Ce soir, j'ai 6 pines. Ah oui, du travail, pardon. Amusez-vous bien et la prochaine à tout. Content de t'avoir visuellement rencontré. Virtuellement, pardon. Lumière bien éclatée, toi aussi. Ça marche, Tira. Merci d'être passé. Des bisous. Profite bien de la cipine. Et à très très bientôt, je l'espère. Et des bisous à Tiranini aussi. Bon. Bon, bon, bon. Où est-ce qu'on va aller, nous, du coup? Que ce coffre, je peux pas l'avoir, clairement. Je pense qu'on va suivre on va pas forcément suivre la quête principale, mais on va se mettre sur la route, on va dire ça comme ça. Je pense qu'on va se mettre sur la route et une fois qu'on y sera, on s'arrêtera peu de temps après. Parce que mine de rien, ce soir je bosse. À mon grand désarroi. Il va falloir que je me prépare. Enfin, ce soir. Cette nuit, plus exactement. J'ai pas moyen de me TP plus vite, là. J'ai pas le truc... Y'en a pas ici. Ah, fais chier. Tu devrais regarder ça. Qu'est-ce que c'est qui regarde, ce con? Tu regardes quoi, toi? Qu'est-ce qu'il regarde? J'ai pas compris là. Je n'ai pas saisi.
Entembed. Bon, on n'aura pas avancé sur l'histoire, mais on aura fait une petite quête. On se sera fait arracher la gueule. Oui, ça fait partie de ses plus grandes obsessions. Ça tient pas debout, Mimir. Ah, à partir de quel moment n'ai-je plus été clair? Tu disais que Baldur nous cherchait pour trouver un moyen de se rendre à Jotunheim. Mais on savait pas encore que c'était là où on devait aller. C'est absurde. Mais tu oublies une chose, c'est bien à Jotunheim que vous allez. Donc il avait raison. J'y comprends rien. Eh bien, ça veut dire que tu as bien écouté. La logique. Ah, nickel. Allez hop, on va pas s'emmerder. Voilà, comme ça on va pouvoir se mettre sur la route. Et non pas sur la route, hahaha. Bande de petits coquins. Redis-moi comment Odin a pu savoir qu'on allait à Jotunheim avant qu'on le sache. Vois-tu, Odin est très intelligent. Presque aussi intelligent qu'il pense l'être. Et il collectionne les prophéties. Dès qu'une chose concerne l'avenir, il l'ajoute à sa collection. Ça lui permet de se proclamer clairvoyant et omniscient. Mais ce qui l'intéresse vraiment, c'est le contrôle. Contrôler l'avenir, contrôler son destin. Il contrôlerait chaque monde, chaque pays, chaque royaume s'il le pouvait. C'est pourquoi il cherche à éliminer tout danger potentiel. Même si tu n'as jamais rien fait contre lui, il se dit que tu pourrais le menacer un jour. Alors, tu comprends, l'important, ce n'est pas qu'il ait su avant vous. L'important, c'est qu'il avait raison. Tout s'explique. Je tourne vraiment en rond. C'est une horreur. Bon. Allez, du balai. Oh, ta gueule. Ta gueule. Si on va. Et du coup, bah ouais, du coup, on va se mettre tranquillement en chemin sur la route principale. Et on verra ça le prochain coup. Pas surtout de la quête histoire, je pense. Alors, j'ai aucune idée de où est-ce que je dois aller. Ça, c'est très drôle. Par là-bas, d'accord. Donc, ah bah par ici du coup. Ça me paraît assez évident en fait. Pas se mentir. Quelque chose. Eh, prends-le. Et ferme ta goule. Du coup. Oh. Chez mignon. Ah, il y a un truc là-bas. Attendez, je récupère. Petite goutte. Alors, bon monde, il a fait pipi. On a gagné en force, du coup. Ça, c'est cool. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va y avoir des ennemis encore ici qui vont m'arracher la gueule. Ah non, ça va. Aïe. Ça fait mal. Ça fait mal. De vivre sans toi. Je m'en suis bien tiré. Hein? Il y a du progrès. Mouais. On va dire ça. Qu'est-ce que... Oui, bah ça je récupère. Viens voir ici. D'accord. Hé, hey, une autre carte au trésor. Eh ben c'est bien, prends-la, ça te fait plaisir. Juste voir ce qu'on a là-haut. Curieux. Je sais pas du tout si c'est une bonne idée d'y aller. Bon, quitte te casser la gueule. Hein ?
regardez. J'ai un service à vous demander. Un tout petit service. Vous vous souvenez de la dague que vous m'avez donnée? La dague qui était plantée dans le dos du pillard? Celui qui a été tué par son fils? Oui, j'aurais du mal à l'oublier. Eh bien, elle vient d'un groupe de pillards stationnés dans la forteresse de Nortri. Je parie que c'est là qu'ils gardent ce qu'ils ont volé dans la réserve de Fafnir. Ainsi que la pierre à aiguiser que je pourrais utiliser pour vous aider. Putain de merde. Ça veut dire encore que... une chasse au trésor. Inutile. Non, pas si Sindri peut améliorer notre équipement grâce à cette pierre à aiguiser. Et puis, pense au fils du pillard. Il a assassiné son père. Et alors? Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Spoiler alerte. La réponse est non. Je m'en cogne. Comme les deux baloches qui sont dans mon froc. Qui cognent l'une à l'autre à chaque fois que je cours. Tout pareil. Con là. Est-ce qu'il y a des petits oiseaux ici à buter? Non. Pas que je vois. Oh, par contre, il y a un petit crapaud. Il est mignon, le crapaud. Méchant? Oui. Je confirme, je suis méchant. Zone secrète découverte. Conseil des Valkyries. Oh! Alors, si je dis pas de conneries, cet endroit, ça pue du cul pour mon matricule. Je vais pas me faire arracher la gueule, je vais me faire détruire. Moi aussi, je vais m'asseoir là. Voyons voir ces huit trônes. Ce n'est pas le moment de jouer, tête. Connais-tu ce lieu ou non? Je suis Mimir, l'homme le plus intelligent qui vive. Je sais bien des choses. En tout cas, ce lieu a l'air très important. Pour qui? Je ne vois rien de valeur ici. Bon, bah... Ah, peut-être qu'elles apparaîtront ici une fois qu'on aura buté, c'est possible. C'est une possibilité. Moi, je suis étonné qu'on n'ait pas de combat. C'est pas une mauvaise chose, attention. Ça change, mais je suis étonné. Je voudrais grimper, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Ça m'arrange comme ça, on peut récupérer le petit coffre. Allez hop. Oui. Ah voilà. J'allais dire par contre, je remonte comment? S'il vous plaît. Soyez pas con. Hop là. Ça. Ça. On va retourner gentiment mais sûrement sur la barque et je pense qu'on s'arrêtera là-bas. Ça me paraît être une bonne idée. Est-ce que je peux passer avec ça? Curieux. Wouhou! Quand vous aurez récupéré la pierre à aiguiser, prenez-en le plus grand soin. C'est une relique inestimable après tout. On y pensera. On y pensera. Non mais... Ah le con. Ah le con lui alors. J'aime bien le fait que quand il se met genre au niveau d'un vide, il se colle à la paroi et son fils monte sur son dos. C'est-à-dire que son fils est littéralement plus proche de tomber que lui. C'est-à-dire que si son fils n'a pas la force nécessaire pour se maintenir, il tombe, il meurt. Voilà.
comme une merde, comme il le dit si bien l'avait effectivement. Et nous, on va gentiment, mais sûrement... Ah, attendez. En vrai, je regarde juste vite fait ce qu'il y a ici. Donc à faire, j'y suis, donc... Hop, comme ça, si j'ai mis un petit coffre, un truc à récupérer, ça ne me choquerait pas. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas envie d'y aller. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai pas envie d'y aller. Bah vous savez quoi? On va s'arrêter là. Devant, et on le fera au prochain épisode, devant cette magnifique faille noire. On fera la faille, voilà. On va être là, hop. Comme ça, je sauvegarde. Hop là. Et on va pouvoir s'arrêter ici. J'espère que ce petit stream, ou pour ce qui est YouTube, d'ailleurs j'avais pas dit bonjour à YouTube, c'est pas grave, je lui dis au moins au revoir. Je crois pas lui avoir dit bonjour, je ne sais plus, bref. J'espère que ce petit stream vous aura plu, que vous êtes bien amusés. Moi c'était fort sympathique. On va lancer un petit raid, je sais pas combien on est, je m'en fous. Par contre je sais pas qui est en stream, donc je vais regarder vite fait. Y'a qui est en stream en ce moment même? Parce que c'est bien mignon, mais j'en sais rien quoi. Nous avons... Des gens. C'est pas mal. Ah bah je sais qui on va stream, je sais qui on va... Comme ça, ça va lui faire du bien. Alors... Tranquillement, mais sûrement... Bref, j'espère que cet épisode, ou en tout cas ce stream, vous aura plu. Moi j'ai passé un excellent moment en votre compagnie, on se retrouve très vite, je l'espère, parce que bah, j'ai des horaires un peu pourris, donc je fais comme je peux. Mais normalement je devrais pouvoir lancer au moins un autre stream dans la semaine, peut-être vendredi soir. Je devrais pouvoir. Et puis c'est tout. Je pourrais pas faire un autre stream dans la semaine, mais ouais, vendredi soir je pense que je lancerai un... Un petit live pour continuer cette petite aventure, donc pour ceux qui le veulent, soyez au rendez-vous. Moi je m'étire. Et je me prépare mentalement à aller me préparer pour mentalement aller me préparer pour mentalement aller me préparer. J'ai bugué, hein, vous l'aurez remarqué. Non, je vais me préparer pour le taf pour cette nuit, j'ai pas envie, mais il faut bien. Et puis on se retrouve du coup très vite. Passez une excellente soirée. Je vous laisse... Avec un raid Petit Barbe, allez le soutenir. Et si jamais vous n'êtes pas encore follow à sa chaîne, n'hésitez pas. Quelqu'un de bien. Voilà. Donc oui, n'hésitez surtout pas à aller lui apporter votre soutien. Des bisous tout le monde. Et le dernier mot du stream... Ce sera Pouette. Ah oui, et j'allais oublier, passez une bonne soirée quand même. C'est important. Et bisous! Et merci pour le réabonnement à Lev! Je vous pouette!